YouTube, salut à tous, c'est Natiusson. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Brother A Tale of Two Sons, j'arriverai à le dire un jour. Et donc voilà, donc un nouvel épisode, on part pour la suite. Et voilà. On va essayer de continuer donc notre partie là où elle en était la dernière fois. Et donc voilà, donc là on fait continuer. Hop là. Alors faut que j'arrive à me rappeler où on en était. Hop, Ah, on était tout petit, ouais, c'est bon, je me rappelle. Je suis arrivé dans le château, on était tout petit et j'avais essayé de... En fait, fallait libérer l'espèce d'oiseau là-bas. Genre l'oiseau. Je sais plus ce que c'était comme insecte. Ouais, attendez, je crois qu'il faut passer par là. En plus, il est en train de pleurer, quoi. Le truc, sa femme. Tac. Hop. Dites-moi si le son du jeu vous l'entendez bien. Normalement oui. Hey, je crois qu'il faut qu'on arrive à le libérer en utilisant la manette qui est là, il me semble. Ouais, donc c'est un espèce d'oiseau assez chimique genre. Mais là il a l'air stylé quand même hein. Donc on va descendre par là. Allez. Mais genre je sais pas comment on pourrait faire. Comment on pourrait faire? Attends, à moins que lui, je sais pas s'il arrive à passer là-dedans. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Donc là. Oh, oups. J'ai lâché un petit peu trop tôt. Comme ça, il va pouvoir aller tirer sur la. Sur la petite manette là-bas. Et ainsi, il va pouvoir délivrer le bel oiseau. Parce qu'il est vraiment joli quand même. Et voilà. On a réussi à le libérer. On dirait qu'il a saigné quoi, il s'est blessé donc c'est un peu triste. Il a pas vraiment de cheveux ou de trucs sur la tête. Il était plus mignon quand il pleurait en fait. Je sais pas. On va aller lui parler quand même. Lila. Notre délinquant préféré qui le caresse. On va arrêter de le caresser. Hein. Ah, je crois qu'il nous incite à monter sur son dos. Il nous incite. Il nous invite plutôt. Le pauvre. Ah oui, vraiment le pauvre quoi. Parce que bah il est mort en fait. Donc il a vraiment pas de chance. Ouais, bah tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Non, mais il est mort quoi, c'est triste. Ils ont récupéré une plume. Je crois qu'il y avait la plume au bout de leur hameçon. Je sais pas si c'est un souvenir avec son père ou s'il le vit. Genre, si le jeu est bientôt fini, justement. Donc il lui explique comment bien pêcher. On
c'est un souvenir. Bon, il est un peu triste. Donc nous on continue. Il court plus? Il courait pourtant avant. Attendez, j'ai pas envie qu'il tombe. Je sais pas s'ils peuvent tomber, je crois pas. Mais c'est pas grave, on sait jamais. Ah, là ils se remettent à courir. Hop, du coup on va avancer. On va avancer. Ah, alors il se passe quelque chose, on va voir. Ah, on dirait un homme genre géant qui bah il est mort. Il est mort en fait. C'est pas très propre quand même hein. Il aurait pu, je sais pas pourquoi. Bon, on va aller voir ce qui se passe, on va voir pourquoi il est mort. C'est un peu intriguant. Tenez, là on a un point de vue, donc ça c'est cool. Non vas-y regarde le toit. Toujours stylé à des points de vue. Bon, les a pas tous fait, mais. Bah, vient un homme un peu grand, géant, genre qui est mort. Il y a du sang un petit peu partout. Son l'univers, on a vu qu'il était un peu glauque. Ok, il y a un pied. D'accord. Autant pour moi. Allez, putain de corbac. Le corbac, il t'attrape, il bouffe quoi, le truc, il est grave gros. Il y a une main sur le pied. Bon, ce jeu est glauque depuis le début, mais bon, quand même. Donc ouais, là il y a une main avec une flèche. Sauf que faut qu'on passe. Vas-y, passe en dessous, non? Ah, attendez, je crois on va pousser. Alors attendez, faut que j'arrive juste à... Attends. Ça va être dégueulasse, my god, putain. Ah, ah c'est infâme. Salut Playdo. Ah, mais c'est dégueulasse. Quand tu réfléchis au concept de ce que est en train de faire le mec, tu fais putain, merde. Donc là il y a un doigt de pied, 5 doigts de pied, c'est bon. Ils ont l'air un petit peu humains. Salut Rubik's Cube. Une mare de sang. C'est original. Ah ouais c'est dégueulasse, je suis d'accord avec vous. Attendez, le petit s'accroche sur le grand. Et on y va. Ça va et toi? Donc là on continue tranquillement, on va aller sur la berge. Toujours le même truc qu'on a fait 100 fois. Par contre là il n'y a pas de corde, alors je sais pas ce que doit faire le petit pour que le grand puisse monter. À moins que le grand puisse aller là. Allez, on va voir. Je peux monter là. Je crois que quand il va s'avancer, ça va lui faire, ça va faire baisser la branche. Ils sont synchro, ils sont synchro. Donc voilà, tac. Donc là on descend, on a réussi donc à les faire monter. Donc là il y a d'autres mecs morts un peu grands, un peu chelou. Là c'est compliqué de pousser un mec en manger en quoi. Donc Je pense qu'il faut monter là dessus. Mais on peut pas là. Donc on peut pas monter là. C'est très what the fuck ce jeu. Ouais bah l'histoire est sympa. Attendez, faut pas que je lâche le mauvais truc. Donc lui je tiens. Et lui. Je suis très heureux. Ok, donc on a poussé, ça l'a décalé. Oh, mais un handgun de déplacer des cadavres à une échelle assez importante quoi. Genre de base, eux sont de taille normale il me semble. Donc je crois que les mecs sont géants. Hop là, oh, attendez,
Excusez-moi, je galère un peu. Donc là, on va redescendre dans le bain de sang. Donc le grand va nager. À quoi que le petit là il court, pas besoin de nager. Donc là, il y a une hache, tout à fait. Bon, un nouveau pied. Limite, c'est même plus une surprise, quoi. Hop, on va aller par là. What the fuck en bas? Un mindfuck là, genre, vous voyez pas, mais sous ma tête, il y a un truc, bref. Il y a un truc assez chelou, je sais pas si je peux vous le faire voir. Ah ouais, j'ai trouvé le chemin au passage. Là, ils déplacent tout à l'heure, ils ont déplacé un bras au KLM. Enfin, sans complexe. On va avancer. Y'a bah là, on va refaire, je crois, le truc du bras. Je vais vous montrer. Lui il a envie de nous bouffer, il nous gobe quoi, il fait la taille. Alors là on va refaire le truc qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On est en train de... En fait il y a un mec qui a une flèche dans le bras. Et nous on est en train de pousser. Oh mais c'est infâme ce jeu. Mais c'est quoi ce jeu 24? Mais non. Oh mais non! Genre non! Genre... Bon, on m'a dit, tu verras, c'est un jeu sympa et tout, mais non, genre... What the fuck? Ah bah, je sais pas si là on peut pas voir de ce point de vue le truc que j'ai vu en bas. Si là, vous, je crois, vous le voyez un peu mieux... Attendez, je regarde sur le stream. Ouais, là vous voyez un peu mieux le truc que dont je vous parlais. Genre l'espèce de truc rouge là-haut. Voilà. Oh mais non, il s'est coupé la jambe tout seul, quoi. Le con. Non mais les gars, vous montez sur des cailloux, vous pouvez surmonter sur un bras après avoir découpé une jambe, je sais pas. Pourquoi? Passe par là. C'est le pied, ouais là on poussait le pied. Affûté cette hache, ouais clairement elle a... Elle l'a coupé d'un trait. Je sens le... Pourquoi vous montez pas les gars? Peut-être par là? Ouais c'est par là. Attendez, si je mélange tout encore, ça va le faire. Un de chaque côté, bon comme d'hab ça va être l'inverse par rapport au côté. Voilà. Non je pense qu'il faut charger l'arbalète. Non. Non j'ai limite pas envie de la lâcher. J'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. Non mais non. Il dort lui ou il est mort? Non il est mort, il est mort. Non. Non. C'était sûr. Mais c'était obvious. Il a rigolé ou c'est moi ma cad? Il est juste infâme ce petit garçon. Headshot, voilà clairement. Un beau headshot hein. En plus quand vous voyez le jeu, genre vous dites pas que le jeu est dégueulasse quoi, tu vois le jeu et en fait genre c'est juste les idées du truc quoi, c'est assez infâme. Ils auraient pu passer par dessus son bras en vrai, hein. On n'était pas obligé de les foutre une flèche dans la tête pour passer. Hop là, on descend. Oui, c'est là-bas. Il se passe un mindfuck. C'est un truc chelou. Il est mis. Les jeux mignons de Nati, ouais, on va traduire les jeux. C'est plus les jeux du dimanche, c'est les jeux kawaii de Nati. Vous voyez, je vous trouve des jeux très mignons. Oh, mais ils sont obligés de faire des bruits comme ça quand on passe. Bien sûr, ils les ont recouverts de sang, histoire qu'ils soient un peu plus réalistes. Il y a un mindfuck là. Oui, c'est fou, le hasard fait bien les choses. Hein. L'arbalète était bien placée. Il restait une flèche. Là, on est plein de sang. On va continuer. On peut pas s'essuyer dans les... Tu sais, comme quand t'as de la merde sur les pieds. On s'essuie un peu dans les herbes. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Vous vous demandez ce qui se passe, hein? Ce qui va se passer. Allez, juste pour le mindfuck, on va arrêter la vidéo ici.
Et vous découvrirez ce qui se passe en bas dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, de regarder les épisodes précédents. Et voilà quoi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. À la prochaine. Bisous.